Juste testez-moi ça. En étoile. Juste voir si je prends un. Ça bloque la tour. Ça bloque la tour. Ça bloque la tour. Bonsoir, aujourd'hui on est sur le PBE et on va tester le nouveau Panthéon. El nouveau Panthéon. Ça, on partira sur un truc comme ça, je pense. C'est très bien. Son passif, du coup, c'est après 5 spells ou auto-attaque. Une prochaine compétence de Panthéon est augmentée et boostée. Son Q-spell. Du coup, quand tu tapes, du coup, c'est une fois. Quand t'appuies juste une fois, ça lance la spire comme ça. Ça fait des dégâts. La spire n'est pas lancée. La spire n'est pas lancée. Mais oui, c'est ça, je suis con. Et ça fait des dégâts, du coup, aux alentours, devant toi. Ok. Et quand j'appuie un peu plus longtemps, la spire est lancée. Et ça fait du coup des dégâts. La spire part en ligne droite. Et ça fait des dégâts, du coup, en face, quoi. Regarde, là, c'est pas lancé. Ça fait des dégâts en face. Attends, et attends. Et de 5. Ok, et ton spell revient plus vite quand t'appuies juste. Tu fais juste. Je veux qu'elle multi. Elle peut multi. Elle peut multi. Est-ce que tu peux multi? Est-ce que tu peux multi? Pourquoi j'ai loupé? Oh, je suis nul. Ok, j'ai compris. Elle peut une fois. Hop, ça fait des dégâts devant. La spire n'est pas lancée et tu la récupères plus vite. Tu récupères un petit peu plus vite. Tu restes appuyé un peu plus longtemps, t'attends que la barre se charge là, et du coup ta spire part en ligne droite. Et du coup, quand avec ton passif, quand il a augmenté, ça fait plus de dégâts, ta spire fait plus de dégâts. Ok, ton Z du coup c'est le stun de d'habitude, un stun qui dure une seconde, ok. Et quand il est chargé avec ton passif, après, suivi du stun du coup, après le stun, attends, après le stun du coup, il y a 3 autos qui partent. Est-ce que tu peux stun la tour? Ça aurait été trop fort. Ok, et du coup les autos fonctionnent avec le passif. Les autos du Z fonctionnent sans passif. Du coup tu mets ton Z chargé et t'as 3 direct. T'as direct 3 stacks de passif. Ton E, c'est l'ancien E du coup avec un shield en plus. Un shield qui bloque tous les dégâts. Tous les dégâts. En gros, ça te fait des dégâts en zone devant et un shield. Et à la fin, du coup, ça projette un petit, petit dégâts en AOE et ça fait v'là le tap. Ça bloque même les coups de tour. Ça bloque même les coups de tour. Ça bloque même les coups de tour. Du coup, ce qui veut dire, comme le E avec le passif, du coup, le E dure plus longtemps. Dure 2,5 secondes au lieu de 1,5 secondes et les dégâts sont augmentés. Du coup, tu peux dive une personne avec ton E. C'est trop fort. Vu que tu prends pas les coups de tour, vu que tu bloques tous les dégâts de face ou tous les dégâts partout. Ah, il faut voir. Attends, je vais me tourner. On va faire un test. Est-ce que c'est tous les dégâts de face? Ah, c'est que les dégâts de face. Ok, ça c'est bon à savoir. Pour savoir. Ok, du coup le E est grave fort. T'as l'ancien E, tu peux bouger en plus maintenant, comme avant t'étais sur place. T'as un shield trop fort qui bloque tous les dégâts mais de face. Et avec son passif du coup ça dure plus longtemps et c'est facile pour les dives quoi, c'est trop fort. Trop fort. Son ulti toujours le même sauf beaucoup mieux. Regardez-moi ça. Alors là il saute, il charge, il saute. Et au lieu de faire juste un rond où tu tombes, là tu fais une grosse zone. Tu fais une grosse zone. Tu fais des dégâts en haut, donc c'est trop fort. Et ça slow les ennemis, je crois. Enfin, on va faire un test. Passe dedans, s'il te plaît. Est-ce que t'es slowed?
Voilà, oh, l'arc raid. Ah. Elle avait l'air slowed. Rival. Du coup voilà, beaucoup trop fort. Panthéon beaucoup trop fort. Je vais juste. Attendez, je vais juste la tuer une dernière fois. Merci. Pour le beau jeu. C'est trop incroyable. Et ça donne ton passif instant, j'ai oublié de dire ça. L'ulti donne ton passif instant. Regardez, là j'ai plus de passif. Et t'as ton passif instant. C'est trop bien pour engage, beaucoup trop bien. Du coup voilà, hop, pour ça, je reviens 2 secondes. Je vais juste changer de skin, je vais juste vous montrer l'ulti avec un autre skin. A tout de suite. Re, j'ai Panthéon Dragon Slayer, Panthéon Chasseur de Dragons. Je vais juste vous montrer. Déjà son shield est incroyable là, regardez, regardez, je le trouve trop beau. Regardez juste son ulti aussi. Regardez son ulti. Quand il saute, il fait un dragon. Et là. C'est incroyable! C'est juste incroyable! Juste incroyable. Regardez-le une dernière fois. C'était une petite vidéo sur le nouveau Panthéon, le Panthéon incroyable, le nouveau héros du Panthéon. Je vous ai montré l'ulti sur le skin Dragon Slayer qui est le meilleur skin je pense sur ce nouveau Panthéon. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous ai pas dit peut-être, mais je suis sur le PB, hein. Il est pas encore sorti sur le serveur live. La bise.